bébé? Oui, ça va et toi? On a vos salles de bien. Ça va pas. Hey, tu sais qu'on va se marier avec moi? Sûr, mon... Bah ouais, il m'a fait la démo. C'est le type là que j'avais vu l'autre fois. Ouais, 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 c'est lui. Ah, on a fait 7 ans ensemble, mais c'est normal, on va se marier. Oh la bébé, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu m'as déjà fait la démo? Excuse-moi bébé. Ouais. Je sais que je te fais une demande de mariage, ça fait 7 ans que nous sommes ensemble. Bah ouais, mais lève-toi. Mais bébé, je suis décidé de retirer la bague. Je veux retirer ma signature. Quoi? Tu es le fils de Jean. Non, attends d'abord. Attends s'il te plaît. Oui. Bébé, je ne peux pas te garder en fiançailles pendant 7 ans, attendre de tuer l'enfant d'autre. Nous sommes au corona. Le argent, il ne se voit pas. Retire ma bague. Non, retire ma bague, bébé. Je veux retirer ma signature. Non, 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 bébé. Non, non, bébé, non. Je veux retirer ma bague. Non, bébé. Non, je veux retirer ma bague. Non, bébé, je suis le seul. Donne-moi ma bague. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Police par là de devenir propriétaire avec 300 dollars seulement qui chassa. C'est quoi l'histoire? C'est pas facile, ce n'est pas de micmac, ce n'est pas de la rigolade, oui. C'est vrai. C'est des jeunes entrepreneurs, ils habitent ici. Mm-hmm. Moi j'ai tenté, oui. Je suis aujourd'hui propriétaire, je paye 300 dollars, j'ai dit bien 300 dollars par mois, il va te faire les calculs. Les calculs. Tu vas payer pendant un certain moment après la maison. La maison est construite en 9 mois seulement. Mais toi, tu payes 300 chaque mois à Kinshasa. Tu as une maison de 100 mètres carrés. Pendant combien d'années? Payer 300 dollars. Bon, toi tu es mon frère. Oui. Toi tu es mon frère. Je ne vais pas te cacher la vérité. Oui, frérot. Je vais te donner tous les coordonnées. En tout cas, je vais. Tu vas entrer en contact avec l'équipe. Oui. Mais je te dis, aujourd'hui, mes chers amis, c'est plus facile. Devenez propriétaire à Kinshasa. Maman, là, avec 300 dollars seulement, tu payes chaque mois une très belle maison avec 3 chambres, 2 salles de bain. Maman, je te vous dis, laisse tomber. C'est bon. Maman. C'est fini. Parle-moi un peu l'histoire là de devenir propriétaire avec 300 dollars seulement en Kinshasa. C'est quoi l'histoire? C'est pas facile, ce n'est pas de micmac, ce n'est pas de la rigolade, oui. C'est vrai. C'est des jeunes entrepreneurs, ils habitent ici. Mm-hmm. Moi j'ai tenté, oui. Je suis aujourd'hui propriétaire, je paye 300 dollars, j'ai dit bien 300 dollars par mois, il va te faire les calculs. Les calculs. Tu vas payer pendant un certain moment après la maison. La maison est construite en 9 mois seulement. Mais toi, tu payes 300 chaque mois à Kinshasa. Tu as une maison de 100 mètres carrés. Pendant combien d'années? Payer 300 dollars. Bon, toi tu es mon frère. Oui. Toi tu es mon frère. Je ne vais pas te cacher la vérité. Oui, frérot. Je vais te donner tous les coordonnées. En tout cas, je vais. Tu vas entrer en contact avec l'équipe. Oui. Mais je te dis, aujourd'hui, mes chers amis, c'est plus facile. Devenez propriétaire à Kinshasa. Maman, avec 300 dollars seulement, tu payes chaque mois une très belle maison avec 3 chambres, 2 salles de bain. Maman, je vous dis, laisse tomber. C'est bon. C'est fini.